Bonjour à tous, nous sommes toujours en Siman Tzadik Zayin. Dans la fin de Sif Tedvav, il y a une Sheela qui est rapportée dans le livre qui s'appelle Ar'a de Rabbanan, qui est rapportée dans le Pitrei Tshuva, concernant une personne qui a prêté serment de ne pas rembourser sa dette. Donc nous, on connaît peut-être un peu la Sugya qui est traitée dans le Sefer Tshuvot, un Ishbar Shelo Lekayem et un Mitzvah, une personne qui a prêté serment de ne pas mettre les Tfilin, de ne pas être un hôtel loulav, de ne pas faire différentes mitzvot. Qu'en est-il concernant une personne qui a prêté serment de ne pas rembourser une dette? Son prêteur, il a énervé, il a dit, je prête serment que je ne te rembourserai pas la dette que je te dois, l'argent que je te dois. Quelle est la halakha? Nous ramène le Ar'a de Rabbanan au nom du Rosh et du Mabit, que puisque Briat Baal Chov Mitzvah, comme tout le monde le sait, c'est rapporté plusieurs fois dans le Chasse, Briat Baal Chov Mitzvah, c'est une mitzvah de rembourser la dette, c'est une mitzvah d'Eoraïta. Et comme c'est une mitzvah d'Eoraïta, lo chala alei shvua. La shvua ne peut pas s'appliquer sur cette mitzvah de rembourser une dette. Donc si une personne prête serment de ne pas rembourser sa dette, le serment est annulé. La shvua n'est pas chala, parce qu'un serment sur une mitzvah n'est pas valable. Si une personne prête serment de ne pas mettre de tfilin, de ne pas être un hôtel loulav, ça ne marche pas. Et ainsi, une personne qui prête serment de ne pas rembourser sa dette, aussi ça ne marche pas, puisque selon ces rishonim-là, le Roche, le Mabit et d'autres rishonim, Priyad Baal Chov Mitzvah, c'est un issur de Oraita. En vérité, on l'apprend de où? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut rembourser sa dette? Il y a une Gemara dans Masechet Bava Metzia. La Gemara, elle dit, on passe même tête, la Gemara, elle dit, chez Yehé, la Gemara dit comme ça, sur le pasuk de la Torah, En Tzedek, Velav Tzedek, la Gemara est d'Oreshet, Sheye Hen Shelcha Tzedek, Velav Shelcha Tzedek. Il faut que ta parole soit une parole. Et lorsqu'une personne s'est engagée à rembourser, eh bien, sa parole, il doit la respecter, Mideoraita, et donc il doit rembourser sa dette, Mideoraita. Mais beaucoup de Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Le Ar'a de Rabbanan rapporte un grand nombre de Rishonim, notamment Rashi dans Masechet Ketubot, que tout ça, c'est une asmarta, parce que le pasuk, il nous parle de hen tzedek, il nous parle de eifa tzedek, hen tzedek, c'est les mesures doivent être justes. Mais il est, le pasuk dont on parle là-bas, n'a rien à voir avec shiye hen shelcha tzedek velav shelcha tzedek. Et donc, ce que la Gemara nous dit, shiye hen shelcha tzedek velav shelcha tzedek, il faut tenir parole, c'est juste une asmarta. Mais, mina Torah, il n'y a pas écrit qu'il faut respecter son engagement, il n'y a pas écrit dans la Torah qu'on est obligé de rembourser la dette. Bien sûr, c'est une mitzvah, c'est éthique, c'est ce qu'on veut, mais, ce n'est pas une mitzvah directe de la Torah de rembourser la dette. Mimeile, si on pense que la mitzvah de Priyad Baal Chov n'est qu'un des rabbanan, entre guillemets, une personne qui prête serment de ne pas rembourser sa dette, le serment est valable. Et par conséquent, il n'aura pas le droit de rembourser sa dette, paradoxalement, puisqu'elle a prêté serment, il a fait une choix de ne pas rembourser la dette. Et donc, ça dépendra de la machloket, est-ce que Priyad Baal Chov Mitzvah c'est un deoraita ou un derabanan? Si on pense que c'est un deoraita, la shvua n'est pas chala, la shvua n'a pas lieu. Mais si on pense que c'est un derabanan, la shvua est chala et par conséquent, il n'aura pas le droit de rembourser la dette puisqu'il a prêté serment. Nous dit le Shulchan Aruch dans Seif Tetzain, Echad amem ashken et chavero be beddin, ve echad shim ishkeno beyado bizroa, o midat alove. Si une personne, elle a saisi un bien, à travers le beddin, comme on a vu que c'est comme ça qu'il faut faire, ou bien c'est lui-même qui l'a fait avec l'accord du lové, avec l'accord de l'emprunteur. Im ish anihu u mishkeno davar shehu tzarich lo. Si l'emprunteur c'est quelqu'un de pauvre, souvent malheureusement c'est le cas, et il lui a saisi un instrument ou un bien duquel il a besoin. C'est une mitzvah de lui rendre le avot, c'est une mitzvah de lui rendre l'objet de la saisie lorsqu'il en aura besoin. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. La Torah nous dit Adbo Hashemesh Teshivenu lo, Ksut Yom, Machziro Leado, Kol Hayom, Achkiat Achama. Si c'est un vêtement de jour, il faut qu'il lui rende durant la journée et qu'il le saisisse la nuit. Et si c'est un vêtement de nuit, il faut qu'il lui rende toute la nuit et qu'il le saisisse seulement le jour. C'est ce que la Gemara nous dit dans Masechet Bava Metzia Dafkuf Tedvav, que c'est cette halakha qui est appliquée, c'est la Torah qui nous l'ordonne de ne pas laisser le pauvre sans l'objet dont il a besoin. Ainsi, pour un instrument de la journée, si c'est son outil de travail ou autre chose, il faut qu'il lui rende la journée et qu'il le saisisse la nuit. Donc tous les jours, ils doivent se rencontrer pour qu'il lui saisisse à nouveau le bien durant la nuit, si c'est un objet qu'on utilise le jour. Demande la Gemara dans Masechet Bava Metzia Kuf Tedvav.
À quoi ça sert de saisir un bien? Si de toute façon le bien il doit revenir à chaque fois tous les jours chez le loyer, chez le locataire, à quoi ça sert? Et la Gemara, ça sert à deux choses. Premièrement, parce que lorsqu'on a un mashkon dans nos mains, alors la shmita n'est pas méchametet. La septième année, comme tout le monde le sait, la Torah nous dit que tous les prêts sont automatiquement annulés, sauf s'il y a un mashkon. S'il y a un mashkon, le prêt n'est pas annulé. Donc ça, c'est une première utilité, de faire que la Shemitah ne soit pas méchametet, que la Shvi'it ne soit pas méchametet. Deuxième bénéfice qu'on a de ce mashkon, c'est chez lo yaaseh metaltelim etzel banav. Si le lové décède et je n'ai pas le mashkon chez moi, alors le mashkon en question, il est quoi? Il est un metaltelim. Et lorsqu'un metaltelim rentre dans la succession, je n'ai plus aucun moyen de le saisir, parce que metaltelim de yat melo mishtab de le balchov, un bien mobile qui appartient à des etomim, ne peut pas être saisi par le créancier. Mimeile pour éviter cette problématique de métal teledéat, mais je saisis en tant que mashkon. Mimeile, il n'y a pas de métal teledéat qui s'applique dans le cas de figure où le love, il décède. Bamed varim amourim, keshemishkeno shelo bishat alvato. Tout ce dont on parle, c'est lorsqu'il lui a saisi le bien, pas au moment du prêt, c'est-à-dire après. Le prêt a déjà été fait. Et une fois que le temps a avancé, c'est là où il s'est mis à saisir des biens qui appartenaient au lové. Avali mishkeno bishat alvato, eino chayav le'achzir lo. Mais s'il lui a saisi le bien avant le prêt, alors dans ce cas-là, il n'a aucune obligation de lui rendre parce que c'est fait avec l'accord du lové. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, que tout mashkon qui est chez lo bishat alva, dans ce cas-là, chez Bishat Alva, ma pas Mechila, au moment de la Alva, il y a un accord entre le Lov et le Malve qui lui saisissent un bien. C'est un Mashkon qui n'a pas toutes les contraintes de Mashkon, puisque c'est comme un Mecher, c'est comme une vente. Un pauvre a le droit de vendre ses biens, on ne peut pas lui empêcher de vendre ses biens. Donc quand c'est au moment de la Alva, c'est comme si le Lov avait vendu son Mashkon, c'est comme s'il avait vendu au Malve, et Mimeile, il peut le garder chez lui, et il n'est pas obligé de lui rendre ni le jour, ni la nuit, peu importe s'il en a besoin, ce n'est pas du tout d'actualité. Juste pour clarifier, les objets dont on parle ne sont évidemment pas forcément des ochel nefesh. Ochel nefesh, on a vu de toute façon qu'on n'a pas le droit de saisir. Mais même des objets qui ne sont pas ochel nefesh, comme un vêtement ou n'importe quel outil de travail avec lequel on peut gagner de l'argent, eh bien, ces objets-là, si c'est un pauvre qui n'en a pas d'autres, il faut lui rendre durant la journée s'il en a besoin. Ça, c'est un dîne spécial dans Ani. Ici, le Rama nous parle d'une halakha très globale. La mitzvah de Hashavat He'avot, la mitzvah de lui rendre le mashkon, lorsque le hani en a besoin, c'est une mitzvah asé chez Matan Schara Katuv Betzida. C'est une mitzvah où la Torah donne un sachar. La Torah nous dit comme ça. Lorsqu'une personne, Hashem tashiv lo et avot, kevo Hashemesh, tu lui rendras le avot lorsque le soleil se couchera. Sur ça, la Torah continue et nous dit, Uverachecha ulecha tiyet tzedaka. Et Akadosh Baruch Hu te bénira et ce sera pour toi une tzedaka, lifnei Hashem Elokecha, devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que c'est une bracha, il y a un matan sachar betzida pour celui qui rend le mashkon au ani en question. Et alors, nous, Baruch Hashem, c'est très joli qu'Akadosh Baruch Hu nous promet des brachot lorsqu'on fait des mitzvot. Nous dit sur ça le Rama, au nom du Ramban, que chaque mitzvah, chez matan sachar betzida, chaque mitzvah où il y a un cadeau, est donné avec cette mitzvah, Ein bet din shel mata mechuyavin lachuf aleha. Le bet din ici-bas ne peut pas forcer à faire cette mitzvah. Donc, si une personne refuse de rendre le mashkon au lové, le bet din est pied et poing lié. Il n'a pas moyen de le forcer à rendre le mashkon. Avalim rotzim lachuf areshut beyadam. S'ils veulent être kofé, ils ont le droit. C'est-à-dire que il y a ici une différence entre le ratson du bet din et la chova du bet din. Le bet din, donc le terme pied et poing lié n'est pas le bon terme. Le bet din, s'il veut, il peut être kofé, mais il n'est pas obligé d'être kofé. Chaque mitzvah, ça c'est le klal, et c'est un klal qui s'applique dans tous les mitzvot. Chaque mitzvah, chez matan schara betzida, ein bet din kofin alea. Le bet din n'est pas obligé d'être kofé. Mais s'ils veulent être kofé, s'ils veulent le forcer à faire cette mitzvah, ils peuvent forcer à faire cette mitzvah. Ça, c'est un dîn spécial dans toutes les mitzvot chez Matan Schara Betzida qui va s'appliquer à toutes les mitzvot similaires à rendre le mashkon un. Kol tov et à bientôt.